Coronavirus et confinement, pourquoi est-ce le bon moment pour le quitter? Bonjour mes amis qui chaque jour passez à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie libre, indépendante et heureuse que vous méritez et que vous voulez après des violences conjugales et familiales. Je suis Agnès Derul, votre coach experte PNL en libération des violences conjugales et familiales et en maîtrise du stress des procédures judiciaires qui sont liées. Je vous accompagne en lien avec les professionnels du droit, avocats, notaires, huissiers, à faire de cette épreuve que vous traversez une force pour votre avenir et que vous en ressortiez gagnante. Je vous accompagne dans toute la francophonie, à travers ces vidéos gratuites, des ateliers en petits groupes par internet et un coaching personnalisé concernant votre situation pour vous aider à trouver la stratégie pour non seulement sortir de ces situations difficiles que vous vivez ou à passer à autre chose après avoir vécu ces situations difficiles mais qui sont encore très présentes dans votre esprit et à vous construire la vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. C'est pour cela que pour faire pleinement partie de cette communauté très solidaire, je vous invite à ce premier passage à l'action qui est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour bien rester en lien et être informé de toutes ces nouvelles vidéos de conseils et de motivation. Et je vous invite également à mettre un pouce bleu pour me dire que vous appréciez ces contenus gratuits que je vous offre et que vous avez envie que je continue. Parce que vous et moi, on crée au quotidien cette communauté extraordinaire du bonheur et de la réussite professionnelle après des violences conjugales et familiales. Nous traversons actuellement avec le coronavirus et le confinement une période très difficile. Alors, cette période, déjà, elle est évidemment compliquée et stressante pour tout un chacun, dans une situation qu'on pourrait considérer comme normale, au vu des circonstances. En revanche, évidemment, lorsqu'on est victime de violences conjugales et familiales, ça prend une dimension complètement différente et tragique. Donc, pourquoi est-ce que c'est le bon moment pour quitter un homme qui vous violente ou pour quitter un pervers narcissique manipulateur qui vous fait vraiment souffrir au quotidien? Premièrement, en situation de vie ordinaire, vous pouvez avoir des moments d'échappatoire pour ne plus être soumise à cette violence ou à cette relation toxique qui vous fait souffrir. Alors, dans cette situation normale, souvent vous prenez sur vous. Vous vous dites que ça ira mieux ou que vous allez trouver une solution. Donc là, vous êtes face à la réalité absolue. Vous êtes poussé dans vos limites et ça peut vous permettre de vous donner cette impulsion salvatrice pour sauver votre bonheur, pour sauver votre avenir et celui de celles et ceux que vous aimez. C'est un moment aussi qui peut être extrêmement difficile lorsque vous avez des enfants, puisque cette violence que vous arrivez parfois à cacher à vos enfants ou que vous avez l'impression que vous leur cachez, eh bien là, ils sont confrontés eux aussi à cette violence. Ils peuvent vous voir maltraités, frappés et eux-mêmes peuvent être à leur tour aussi victimes de violence. Donc on entre dans une spirale qui est beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereuse. La deuxième raison pour laquelle c'est le bon moment pour le quitter, c'est que là, il y a une sensibilisation qui est plus accrue aux violences conjugales et familiales. Alors, ça ne veut pas dire que, évidemment, le système est parfait, loin de là. J'ai fait une vidéo à ce sujet lorsque le 3919 était injoignable. Il existe aussi forcément des difficultés qui peuvent surgir. Néanmoins, on est quand même dans une situation qui est beaucoup plus favorable pour avoir de l'aide. Ça facilite aussi la communication à distance avec les proches, c'est-à-dire c'est un moment où vous pouvez
Osez vous lancer pour dire tout ce qui vous arrive, tout ce que vous vivez vraiment et demandez de l'aide. Je vous rappelle également que si vous pouvez vous absenter, vous pouvez demander de l'aide auprès des pharmacies, en plus des numéros d'urgence que vous retrouverez en bas de cette vidéo. Enfin, la troisième raison pour laquelle c'est vraiment le bon moment pour le quitter, c'est que de fait, lorsque vous allez enfin partir, c'est-à-dire donc, comme on l'a vu, prendre cette impulsion pour vous sauver, parce que vous allez vraiment être confronté H24 à cette personne toxique ou violente, donc en prenant cette impulsion-là, en osant en parler, là, vous allez être de fait coupé. C'est-à-dire que de par les mesures de confinement, où on est obligé de rester chez soi, vous avez le droit de partir, mais la personne qui vous violente ne pourra pas vous rejoindre avec les mêmes facilités, si je puis dire, qu'autrefois. C'est-à-dire tambouriner à votre porte, aller vous voir, voilà, faire des actes de violence pour vous récupérer va être beaucoup plus difficile. Et de fait, vous pouvez en profiter pour, une fois que vous êtes en sécurité, vous faire aider. Donc, je propose un entretien gratuit si vous avez besoin de faire un point et de voir comment est-ce que je peux vous aider à vraiment couper le lien et à trouver quelle stratégie, quels objectifs vous voulez avoir pour dépasser cette situation et pour vraiment vous construire la vie que vous voulez et que vous méritez, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, puisque cette réussite-là vous garantit votre liberté qui est donc fondamentale pour ne plus dépendre d'un homme toxique et violent. Mes amis, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur l'onglet des notifications pour bénéficier de ce contenu gratuit que je vous offre pour à la fois tourner la page et construire le nouveau livre de votre vie que vous voulez pour vous et vos proches. Merci également de liker cette vidéo si ce contenu vous a aidé et que vous souhaitez que je continue ainsi dans de nouvelles vidéos. Je réponds à toutes les questions que vous me posez en commentaire. Vous pouvez bénéficier d'un entretien d'une vingtaine de minutes gratuit avec moi en remplissant le questionnaire d'expertise stratégique que vous trouverez en bas de cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez également aller sur mon site agnesderolle.com où vous trouverez des articles, des infos, des conseils et où vous pourrez également réserver une session de coaching stratégique pour gagner du temps. Car en effet, pour avancer, il est très important de se faire accompagner dans sa situation professionnelle et personnelle et c'est donc un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous offrir pour construire votre bonheur et la vie que vous souhaitez pour vous et celles et ceux que vous aimez. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.